un certain nombre de collectivités territoriales, pas toutes, et elles ont cherché à assumer des responsabilités économiques dans une logique, on pourrait dire, de d'attractivité du territoire. Et elles ont cherché à faire venir les entreprises sur leur territoire. Mais aujourd'hui, cette attractivité est insuffisante parce que les entreprises sont ce qu'on appelle risquent d'être nomades, opportunistes. C'est-à-dire qu'elles vont prendre les aides, puis à un moment donné, lorsque d'autres territoires vont leur offrir des aides différentes, elles se déplacent. Cette politique d'aide à l'entreprise, d'une manière individuelle, se retourne contre le territoire. Parce que les entreprises n'ont pas complètement de raison pour rester dans ce territoire. Et à ce moment-là, on rentre dans un processus complexe de concurrence entre territoires pour attirer les entreprises. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une logique d'attractivité des entreprises. Il faut être dans une logique de développement économique du territoire. Et donc, fixer des orientations de développement du territoire en matière de mobilité, en matière de santé, en matière culturelle, en matière d'habiter, de telle manière que ces développements-là permettent, offrent des logiques de développement aux entreprises, offrent des occasions d'activité qui, du coup, les fixent dans le territoire, les ancrent dans le territoire et les rendent fidèles au territoire.